programme d'appui à l'égalité du genre, PAEG 1. Conférence débat sur les perspectives pour la lutte contre les violences basées sur le genre, VBG. Dans le cadre du déploiement de la phase 1 du programme d'appui à l'égalité de genre, PAEG 1, l'unité de gestion du programme a organisé une conférence débat autour de la thématique « Leadership politique féminin, masculinité positive, quelles perspectives pour la lutte contre les violences basées sur le genre ?» Cette conférence s'intègre dans le cadre des 16 jours d'activisme de lutte contre les violences basées sur le genre. L'événement s'est déroulé à Azalaï Hotel le 29 novembre 2023 à Cotonou. Nous avons invité pour vous des panélistes que je vais vous présenter, je vais installer et je vais vous demander d'ovationner très très fort. Je vais commencer par la dame, honneur à madame Geneviève Bocor-Nadjo, s'il vous plaît. Un jeune que le PAEG a pu retrouver parmi beaucoup d'autres jeunes qui a fait l'expérience de la masculinité positive, qui va justement témoigner de cela. Merci d'applaudir Daniel Alombédé. Il est technicien bâtiment. Un autre panéliste pour animer avec nous ce sujet sur la politique féminine, le leadership politique féminin et bien entendu la masculinité positive, comment est-ce que cela peut impacter efficacement la lutte contre les VBG. Nous avons également M. Salomon Obouma, s'il vous plaît, qui est docteur en droit public. Et on n'oublie pas nos têtes couronnées, n'est-ce pas, qui ont beaucoup à dire également dans le domaine. Merci d'ovationner Dan Dauphin. Quand nous prenons les violences basées sur le genre, je vais vous donner à titre indicatif les données de 4 départements. Le département de l'Atlantique, le département du Mono, le département du Borgou et le département des Collines, par exemple. Les derniers chiffres du 1er janvier au 28 novembre, c'est-à-dire hier seulement, nous donnent, en matière de prise en charge de victimes ou survivantes basées sur le genre, on a un minimum de 1400 et quelques. Donc, c'est vous dire que les chiffres ne nous donnent pas satisfaction malgré ce que nous faisons. Ces chiffres ne prennent même pas en compte les efforts consentis par l'Institut national de la femme avec l'accroissement des recours des femmes, des victimes qui saisissent l'institution, des recours au niveau des juridictions, des décisions rendues. Donc, des efforts restent à faire et nous devons nous mobiliser davantage pour améliorer la situation. Merci, Monsieur Okouma. Madame Geneviève Bocor-Nadjo, vous avez mené beaucoup d'actions depuis de longues années, justement, pour œuvrer à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Quel est votre sentiment au vu des résultats aujourd'hui, surtout en ce qui concerne le leadership politique des femmes et, bien entendu, les violences basées sur le genre? Merci, Hermine. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer toutes ces femmes qui sont dans la salle et que je reconnais, avec qui nous avons commencé le combat depuis 3 décennies, comme le disait si bien Madame la représentante de la coopération suisse. Je voudrais les saluer et les remercier pour leur endurance. Je reconnais Madame Hidou. Je reconnais Bernice, je reconnais Françoise et j'en passe pour ne pas les citer toutes. Nous avons commencé ce combat il y a bien longtemps et je dirais que je ne serai pas aussi pessimiste que mon collègue Monsieur Ogouma. Je dirais que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'eau qui a eu à couler sous les ponts. Il y a eu certes de nombreuses avancées, mais tant qu'il y a à faire, tant qu'il reste à faire, il y a à faire.
Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons le taux jamais atteint dans notre pays de femmes à l'Assemblée nationale. On ne peut pas dire que ce n'est pas une avancée. C'est vrai qu'on aurait souhaité avoir, tel que le recommandent les Nations Unies, 50% de femmes qui représentent plus de 51% de la population à l'Assemblée nationale, mais c'est déjà un pas considérable que nous devons souligner en matière politique. Au niveau de l'Assemblée nationale, il est vrai, il y a eu des avancées, mais la tâche d'encre se retrouve surtout au niveau du gouvernement et de l'administration béninoise, où il reste beaucoup à faire. Je ne voudrais pas aller dans les détails, dans les statistiques, pour détailler le nombre de ministres que nous avons au gouvernement, le nombre de directrices à des postes de décision que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale. Les statistiques sont là, mais elles ne sont pas très reluisantes. Mais nous avançons quand même. Quant à la question cruciale des violences basées sur le genre, à ce niveau également, nous avons beaucoup avancé, je peux vous l'affirmer, parce qu'à l'époque, lorsque nous allions sur le terrain pour parler de violences faites sur le genre, on nous considérait comme à la limite des colonisatrices qui venaient apporter des notions qui n'avaient rien à voir avec nos réalités socio-culturelles. Je me rappelle encore comme si c'était hier, on était parti une fois faire une campagne de sensibilisation quelque part dans le Zou. Et à l'issue de ces campagnes de sensibilisation que nous appelions grand public, il nous arrivait de donner quelques boissons et quelques sandwichs aux dames qui avaient assisté à la conférence. Mais ce jour-là, on avait eu plus de femmes que prévu. On avait parlé des différentes formes de violences faites aux femmes. On avait surtout parlé des différents recours que ces dernières pouvaient exercer le cas échéant. Donc, on a fini notre conférence, on était très fiers de nous-mêmes. Nous sommes sortis et nous avons distribué nos sandwichs et nos bouteilles de coca et de Fanta. Il s'est fait qu'il n'y en avait pas suffisamment pour tout le monde. Donc, on était très désolés, on a présenté nos excuses. Et en partant dans notre dos, nous les avons entendus dire, regardez-moi celles-là. Elles viennent de Cotonou, en dimanche. Elles nous demandent de venir divorcer d'avec nos maris, alors qu'elles ne sont même pas capables de nous donner un sandwich. Je vous assure que nos talons étaient lourds au point où on ne pouvait même plus monter dans nos véhicules respectifs. C'est-à-dire qu'on avait mis plus de 3 heures d'horloge à expliquer en long, en large et de travers ce que c'était que les différentes formes de violences faites aux femmes, comment est-ce qu'on pouvait les prévenir, quels sont les recours que l'on pouvait, le cas échéant, engager lorsqu'on était victime de ces différentes formes de violences, pour s'entendre dire à la fin qu'on leur avait dit de divorcer d'avec leur mari. Je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et je suis convaincu qu'à l'occasion des différentes campagnes que l'on va faire dans les différentes régions de notre pays, ce genre de langage, même s'il existe encore, il a nettement évolué. Il a nettement évolué. Depuis lors, nous avons eu une multitude de lois qui ont été prises. Nous n'allons pas revenir sur ces différentes lois au niveau de l'international, au niveau régional, au niveau national, sans fausse modestie, j'ai toujours dit, et je continue de dire, que nous avons des meilleures lois en matière de défense et de protection des droits de la femme. À l'époque, lorsqu'on avait voté le code des personnes et de la famille, on avait été traité de tous les noms d'oiseaux. Indépendamment de la loi sur le code des personnes et de la famille, il y a la loi sur les violences basées sur le genre. Et il y a toutes ces autres lois-là qui prennent en charge les droits de la femme. Mais comme on le dit habituellement, une chose est de voter, d'adopter les lois. Une autre chose est de pouvoir les mettre effectivement en application.
les structures sont là, les cours et tribunaux sont là, les commissariats sont là, les centres, les différents centres de santé sont là, mais qu'est-ce que l'application nous faisons effectivement de ces différentes lois? That is the question, comme disent les anglophones. Mais les lois ne sont pas appliquées, ou bien elles sont difficilement appliquées. À partir du moment où dans un dossier de viol, vous n'avez pas un certificat médical qui est établi en bonne et due forme que la petite fille a été violée, vous arrivez à la cour d'assises, vous avez en face de vous un avocat aux dents longues, mais le dossier tombe. Le dossier tombe de lui-même, il tombe tout seul. Et les victimes n'ont que leurs yeux pour pleurer, ça je peux vous l'assurer. Dès la délivrance du certificat médical, un très gros problème, j'espère, je pense aujourd'hui qu'avec l'Institut National de la Femme, la délivrance de ce certificat médical est devenue gratuite. À l'époque, il fallait payer entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Quelquefois, dans des endroits où il n'y a pas de médecin, parce que c'est seulement le médecin qui est habilité à délivrer un certificat médical, la sage-femme n'étant pas habilitée à délivrer le certificat médical, il n'y a pas de certificat médical. Le cas échéant, quand il y a le certificat médical, il coûte 10 000 francs, messieurs, dames. Dans une zone rurale, quelle est cette femme-là qui a les moyens de débourser 10 000 francs pour un certificat médical? On préfère laisser tomber la procédure, tout simplement. Madame... je parle beaucoup, oui, c'est vrai, nous aurons l'occasion de revenir dans ces détails, des recommandations. En un mot comme en deux, il y a une évolution. Il y a une évolution. Voilà. Je voudrais demander quand même à monsieur Alobélé, qui est jeune, comment est-ce que lui, il apprécie les efforts, tout ce qui a été fait à ce jour en matière de représentativité des femmes, également en matière de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles au Bénin. Oui, merci beaucoup, madame, et je vous remercie beaucoup. Et moi, et je vois que l'avancement, je dans le domaine de l'évolution, quand même, de trucs, hein, c'est énorme. Je avance. Et on n'a pas de représentation des femmes, okay, dans les instances, avoir l'Assemblée et nos mairies. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution de ce combat, et on voit qu'il y a plus de femmes, même si ce n'est pas ce qu'on veut, mais ça prend le coup, okay, d'être avancé. Et je crois que dans les années à venir, si nous continuons dans le même élan, on aura ce qu'on veut. Donc il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. C'est cela. Oui. Dalang, enfin, nous avons également besoin de l'accompagnement des gardiens de la tradition. Comment est-ce que vous pensez qu'on pourrait promouvoir avec succès le leadership politique de la femme au Bénin? Donc, je remercie d'abord nos mères qui sont arrivées ici aujourd'hui pour assister à ce débat. Parce que les femmes sont indispensables pour notre société. Bien, en négatif, comme en positif, on s'arrête toujours. Donc, en matière de leadership des femmes, nous pouvons dire que, en général, nous pouvons dire que ça a avancé. Mais, pour moi, chef traditionnel, il reste. Il reste parce que nous sommes liés aux affaires des femmes dans les villages. Et au niveau des villages, en tant que témoin oculaire, les femmes souffrent. Nos femmes souffrent, nos enfants souffrent, nos enfants, filles souffrent.
bien que le gouvernement ait des actions en direction des femmes, mais moi je dis que ça qui reste à faire. Les femmes ne sont pas encore dans leurs droits. Et dans les villages, précisément là où on est sûr, je suis toujours confronté à ce genre de débat. Ce qui anime les foyers dans les familles, c'est les femmes. Vous allez dans le marché, le maximum des garçons sont dans les villages. Et c'est les femmes que vous allez voir sur les étalages partout. Pour arriver sur le marché. Donc c'est pourquoi, moi je dis que, quel que soit ce que la société civile ou le gouvernement fait, pour les femmes, il reste à faire. Oui, justement, Dan, il reste à faire, mais qu'est-ce que les gardiens de la tradition que vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour que les choses évoluent, pour qu'on fasse de grands pas en matière de leadership politique de la femme? À mon niveau, dans ma commune en général et dans mon village, si les politiciens arrivent vers nous, moi je dis toujours, le nombre de conseillers doit être, les femmes doivent être au-dessus des conseillers. Et dans le conseil communal, dans votre conseil communal aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes? Bon, non, dans, pas le, encore, conseil, donc. Dans le conseil communal, il y a le problème. Il y a le problème. D'accord. Où nous devons nous forcer à faire que les femmes soient au-dessus des garçons. C'est une vision. C'est une vision que nous avons réussi quand même. D'accord, merci. Parlons toujours des conditions de succès, Monsieur Oguma, de la promotion du leadership politique des femmes au Bénin. Selon vous, quels sont ces critères essentiels sur lesquels on pourrait s'appuyer pour réussir le pari d'une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision? Ok, merci beaucoup. Je mettrai l'accent sur quelques points précis. Le premier point, c'est d'abord l'éducation des femmes et la sensibilisation des femmes. Le deuxième point, c'est ce qui est déjà fait par le gouvernement et nous avons évolué à ce que ça continue, c'est le renforcement de la législation et des politiques favorables aux femmes pour pouvoir accéder aux instances politiques. Le troisième point, c'est l'engagement des femmes elles-mêmes. Que les femmes ne se fassent pas des problèmes ou incriminer une femme en disant tel. Non, les femmes doivent se soutenir, s'engager politiquement et pouvoir aller plus loin. Le troisième point, c'est d'avoir comme alliés les gardiens de la tradition, les chefs religieux, comme des acteurs particuliers que nous devons soutenir. On peut mettre également en exergue le soutien institutionnel. Au niveau des femmes leaders, elles doivent constituer des exemples, des modèles pour les jeunes femmes qui veulent accéder aux instances de prise de décision politique. Si on met l'accent sur ces éléments, un dernier élément qui n'est pas moins négligeable également, c'est les hommes. Les hommes, nos parents, nos jeunes frères, nos cousins, les hommes de façon générale, où sont-ils quand les femmes sont en politique? Les femmes ne doivent jamais occulter que le soutien constant des hommes est nécessaire pour favoriser l'ascension de façon plus prononcée des femmes en matière politique dans notre pays. Merci, M. Oguma. Je voudrais revenir à Nalan, en fait, parce que nous avons parlé de leadership, mais nous n'avons pas parlé de violence. Je voulais avoir votre regard de dépositaire de la tradition sur la recrudescence ou la persistance encore aujourd'hui des violences basées sur le genre, des violences faites aux femmes et aux filles au Bénin. Les violences faites sur les femmes, surtout les jeunes, les femmes. Et j'ai conclu que c'est la pauvreté. La pauvreté. Puisque
Nos jeunes garçons, sans fonction, à l'âge de 22 ans, ne commencent pas à procréer. Maintenant, comment donner à manger à la femme? C'est ça qui pose problème, c'est ça. C'est ça qui cause beaucoup de problèmes dans les villages. Elle est femme? Pas pour répondre à Dal, en fait, peut-être bien, mais ce que je voudrais surtout répondre aussi à ma question qui est de savoir, c'est vrai que tout à l'heure vous avez commencé par en parler, mais peut-être revenir dessus rapidement. Quels sont ces leviers sur lesquels il faut davantage insister dans la poursuite des actions de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles? C'est d'abord d'enlever de la tête des femmes ce lourd fardeau qu'elles portent depuis l'avènement de l'humanité, comme quoi l'éducation des enfants, que ces enfants soient hommes ou garçons, relève uniquement de leurs compétences. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on commence par arrêter ça, et c'est pour ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui de masculinité positive. On reviendra là-dessus, ne vous en faites pas. Maintenant, sur quel levier faut-il que l'on insiste davantage pour la poursuite des actions de lutte contre les violences basées sur le genre? J'en ai entendu parler ici, on en parle en long, en large et de travers, c'est d'abord et avant tout l'éducation. L'éducation qui permet de forger la mentalité de l'individu, de l'homme grand H. C'est, ça part de la cellule familiale, c'est la cellule de base autour de laquelle on doit pouvoir forger la personnalité de l'individu, que ce soit un garçon ou que ce soit une femme. Simone de Beauvoir disait entre-temps qu'on ne naît pas femme. Elle a dit en même temps qu'on ne naît pas non plus homme. On devient femme, on devient homme par rapport à l'éducation que l'on a reçue à la base. Tout part de là. Je ne parlerai même pas d'instruction. Parce qu'il y a des femmes qui ont des niveaux d'instruction avérés et qui se laissent battre par leur mari. Donc, d'abord, c'est l'éducation versus l'instruction. Ça, c'est clair et net. Donc, on met l'accent sur l'éducation et subséquemment sur l'instruction. Sur l'éducation de la fille, mais également l'éducation du garçon. Je parlerai du genre humain. Je ne veux même plus parler de fille, de garçon. Je parlerai de l'être humain. C'est-à-dire, à vouloir mettre une catégorie dans des camps tranchés, c'est là où le problème commence. Celui-là, c'est un garçon, celui-là, c'est une fille. C'est à partir de ce moment-là que le problème naît. Donc, on parlera tout simplement du genre humain avec une éducation donnée concernant ces personnes-là. Ensuite, quand nous passons l'étape de l'éducation-instruction, nous passons maintenant à l'étape, j'en ai entendu parler par Dalang enfin, du sous-développement, le problème du sous-développement qui est endémique sous nos cieux, mais ce n'est pas seulement valable chez nous, puisque en Europe également il y a la question de violence basée sur le genre, bien que ce soit des pays développés. Mais chez nous, la violence est exacerbée par la question de la pauvreté. On a l'habitude de dire que la pauvreté a un visage féminin. Il l'a dit tout à l'heure. Les femmes sont pauvres. À partir de cet instant, à partir du moment où elles ne sont pas autonomes, elles sont constamment obligées de tendre la main à quelqu'un qui n'est pas conscient de la valeur de l'être qui est en face de lui. Ça engendre toute forme de violence que l'on déplore jusqu'à présent. Donc il faudra mettre l'accent sur l'autonomisation des femmes. Il faut que les femmes, à partir du moment où elles ont reçu cette éducation, cette instruction, qu'elles ont reçu, qu'elles ont un diplôme donné, qu'elles puissent pouvoir bénéficier de la place qui est la leur dans la société. Que lorsqu'on a un homme et une femme à diplôme égal, à compétences égales, je veux jeter un pavé dans la mare, que l'homme choisisse la femme. Parce que nous sommes en matière actuellement de masculinité positive, mais également de discrimination positive. Donc il faut mettre l'accent sur l'autonomisation de la femme. Donc l'éducation du genre humain, l'autonomisation de la femme. Et troisième levier, le leadership féminin. Le leadership
des femmes. Il faut que la femme puisse pouvoir... Il faut qu'elle puisse véritablement avoir conscience de la valeur qui est la sienne. Le plus souvent, lorsque je pose aux femmes, quel est le plus grand défaut, d'après vous, d'une femme? On se met à me citer une kyrielle de défauts. Je dis non. Le plus grand défaut de la femme, c'est de ne pas avoir conscience de la valeur qui est la sienne en tant que deuxième pôle de l'humanité. L'homme est l'un des pôles de l'humanité, la femme est le second pôle de l'humanité. Ça, il faut que chaque femme ait ça dans sa conscience. Merci. Merci de l'applaudir. Nous allons continuer en regardant ensemble une vidéo. Le temps que le dispositif soit bien installé, permettez que je rappelle que nous sommes ici grâce au PAEC, le programme d'appui à l'égalité de genre, qui vise à renforcer l'égalité de genre au sein de la société béninoise, réduire ainsi de manière durable la vulnérabilité socio-économique de la population féminine au Bénin. L'une des thématiques qu'elle aborde, c'est le leadership féminin, et l'approche de masculinité positive reste une approche transversale à toutes les interventions que ce programme promeut. Et c'est justement de cette approche que nous allons parler maintenant, de la masculinité positive. Mais avant, comme je le disais, nous allons regarder ensemble cet élément témoin. C'est une vidéo qui nous montre un exemple, un modèle de masculinité positive. Daniel est un jeune homme qui prône la masculinité positive. En effet, père d'un nourrisson, il assure la garde de sa fille pendant que sa femme se fait former en leadership politique féminin. Ma femme doit participer à la formation et l'enfant ne la laisse pas bien suivre la formation. Et c'est ça qui m'a amené à garder l'enfant pour qu'elle puisse suivre la formation et prendre les notions nécessaires de la formation. Dans les grandes décisions, nous voyons que beaucoup de femmes ne participent pas à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, si on peut donner la formation aux femmes, et puis elles peuvent toutefois continuer à bosser dans le cadre du développement de la politique. La masculinité positive est une des approches promues par le PAEG, entendez programme d'appui à l'égalité de genre. Elle est relative aux qualités d'un homme engagé pour la promotion et le soutien des femmes et des filles et qui se traduit par des actes concrets. Elle a démontré de la masculinité positive en ce sens qu'il a positivé les qualités traditionnellement reconnues aux hommes comme le courage, la décision. Et en le faisant, il a donc décidé de battre en brèche l'opinion qui stipule qu'un homme ou un jeune homme ne peut pas s'occuper d'un bébé, parce que ce bébé, il n'a que 3 mois. Il a battu en brèche l'opinion qui voudrait que les femmes ne puissent pas aller travailler parce qu'elles doivent s'occuper du ménage, parce qu'elles doivent s'occuper d'un bébé. Et c'est toute la valeur de cette thématique de masculinité positive sur laquelle nous travaillons également au PAEG. Pour une forte représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, il est important que la gente masculine s'implique fortement. C'est un plus que ce monsieur a apporté à la formation et nous souhaitons que beaucoup de jeunes hommes puissent suivre ses pas. Et il ne s'agit pas seulement des questions liées à un bébé, il y a beaucoup d'autres questions comme la participation à des activités ménagères pour permettre à la fille d'aller à l'école de façon équitable. Les jeunes garçons et les jeunes hommes doivent mettre la main à la pâte pour que chacun puisse aller étudier rapidement. Quand il s'agit des couples, c'est aussi possible. En fonction de la disponibilité de chacun, on peut mettre la main à la pâte. On peut transformer son rôle de dominance en un rôle de manager qui permet à tout le monde de se sentir. Monsieur Daniel Alogbede, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ce jour-là pour que vous retrouviez à garder votre bébé de 3 mois? Qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Vous pouvez nous raconter un peu? Le jour-là, j'étais au travail et elle m'a appelé en disant voilà que l'enfant ne l'avait pas de suivre la formation.
Maintenant, je lui ai dit, bon, j'aurai le temps à partir de midi. Est-ce que la formation continue? Elle m'a dit oui. Et c'est comme ça que j'ai fait le retour et puis j'étais sur le lieu. Et j'ai gardé l'enfant jusqu'à ce qu'elle a suivi la formation. Vous avez gardé l'enfant de midi à quelle heure? De midi à 18h, je vois, 18h comme ça. Vous lui avez donné à manger? Oui. Vous avez changé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Même ce qu'il faut pour l'enfant, je l'ai. Est-ce que c'était une première fois? Est-ce que c'était déjà arrivé? Ou est-ce juste quelque chose que vous avez fait comme ça, une fois en passant? Non, vous voyez, on dit souvent que c'est bon, l'habitude est la seconde nature. Donc, l'enfant, je la garde et je fais tout avec elle. Et tout dépend de l'éducation que chacun d'entre nous a eue. C'est une question d'éducation. Voilà. Moi, dans ma famille, mon papa, c'est lui qui m'a appris, qui a dit à aider la femme. Père à son âme. Comment il vous a appris cela? Il le faisait, dites-nous un peu. Comment est-ce qu'il vous a appris à aider la femme? Mon papa, il me dit souvent que, en tant que garçon, ça dit tout ce que garçon fait. Que la femme aussi doit le faire. Donc ça veut dire, même à la cuisine, mon papa, il prépare. Est-ce que vous voyez? Il prépare, il fait genre les travaux domestiques, c'est-à-dire ce qu'il peut faire pour pouvoir aider notre maman, il le fait. Et c'est de lui que moi j'ai eu ce courage de continuer à le faire. Parce que d'autres vont dire non, que ce jeune homme, il n'a rien à faire, j'ai mon domaine. Le travail que je suis dedans et c'est ça qui me donne à manger. Mais cela ne m'empêche pas d'aider ma femme. Donc ça veut dire que Daniel a l'obédé, fait la cuisine, prend soin de son enfant à la maison. Je le fais très bien, je le fais très bien et ma femme peut témoigner. Je le fais très bien. Maintenant, ce que je vais vous demander, vous avez des amis. Est-ce que ces amis-là n'en viennent pas à vous dire des choses pour vous décourager? Ils ne vous font passer pas, par exemple, pour le faible. Comment est-ce que Daniel peut faire ça? Daniel est en train de nous ennuyer. Vous avez de ces amis-là qui disent ça de vous. Et qu'est-ce que vous, en tant que jeune, vous faites pour les amener à changer d'attitude, de comportement? Ça ne manque pas. Et je vous assure, j'ai des amis, ok? Et quand je fais ça, ils disent non, que... toi, tu n'as rien à faire. Et je leur dis, mais Dieu nous a créés, Dieu a créé la femme comme homme. Et tant que nous sommes là et tu n'es pas occupé, pourquoi ne pas aider ta femme? Pourquoi ne pas l'aider à faire cette vision? Puisque aujourd'hui, si je suis au boulot et ma femme est à la boutique, et je reviens du boulot avant son arrivée, mais c'est que nous devons manger dans la maison, je suis capable de le faire. Avant qu'elle ne revienne. Donc c'est un peu ça. Donc les amis, bon, quand même il y a certains amis qui corrigent, qui prennent l'engagement de le faire comme moi. Ils ne sont pas nombreux. Et tout ce que moi, je vais demander, c'est la mobilisation, c'est la sensibilisation pour que nos jeunes, nous puissions aider nos femmes. Est-ce que vous voyez? Nous puissions aider nos femmes. Parce que quand l'éducation, si nous avons. Et prendre ça comme d'habitude, je suis sûr nos enfants, eux-mêmes ils vont le faire à la longue. Ça c'est et petit à petit, je crois que ça va prendre d'ampleur. Merci beaucoup Daniel, est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Monsieur Okuma, qu'est-ce que vous pensez justement de la masculinité positive pour promouvoir la lutte contre les inégalités de genre, et comment est-ce qu'il faut faire pour gagner du terrain, pour faire gagner du terrain à cette approche-là dans nos sociétés, qui est nouvelle sans être nouvelle, parce qu'on a toujours voulu que les hommes comprennent, accompagnent et tout, mais aujourd'hui on veut davantage mettre l'accent sur cette approche-là, la masculinité positive. Merci beaucoup, madame. En fait, c'est vrai qu'on a tendance à croire que c'est vraiment un élément nouveau, mais ça ne devrait pas être un élément nouveau. Comme il a si bien dit, moi-même je fais des efforts parce que j'ai été élevé dans un milieu où quand tu ne piles pas les yams, tu ne manges pas les yams. Donc quand tu ne contribues pas, tu
tu vois les autres manger, mais on ne le sait pas. Donc vous contribuez aujourd'hui? Donc je contribue, je fais, oui vraiment, sans fausse modestie, parce que c'est le milieu qui nous forge à cela. Si tu ne piles pas, c'est quand ton tour viendra, tu vas piler, on va te servir, ni en attaque. Donc la masculinité positive, on peut dire de façon simpliste, c'est des comportements dépourvus de violence. Mais quand on le dit ainsi, c'est limitatif. Parce qu'il y a plusieurs variantes de masculinité positive. Les masculinités démocratiques qui nous amènent à ne pas abuser de notre pouvoir dans notre milieu, dans notre environnement, dans le milieu du travail, ce qui entraîne du harcèlement sexuel et autres. Les masculinités co-responsables, comme le cas de notre ami, où l'homme s'engage aux côtés de sa femme à participer aux activités du ménage, amener les enfants aux soins quand la femme est indisposée, et faire le ménage quand le besoin se fait sentir, faire le minimum qui puisse être fait pour que toute la famille se sente vraiment heureuse ensemble avec les efforts du père, de la mère. Mais quand on le dit comme ça, on pense seulement aux maris, aux époux, ce qui ne devrait pas être le cas. De nos parents, de nos frères, de nos cousins, tout le monde doit contribuer. On ne doit pas focaliser la censure. Le mari, le compagnon, le conjoint, c'est un effort commun qui doit nous amener. Au-delà de la des masculinités co-responsables, nous avons les masculinités inclusives qui nous demandent de tenir compte de toutes les diversités du genre. On ne doit laisser personne de côté. Par rapport à ça, on doit vraiment avoir des hommes engagés sur ce point. Nous avons également des masculinités engagées, où là, on a besoin que l'homme s'engage aux côtés de la femme. Parce que les autres éléments seulement ne sont pas suffisants. Il faut que l'homme puisse vraiment s'engager aux côtés de la femme à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de des communautés, au niveau du travail, quand la femme est engagée politiquement, que l'homme soit à ses côtés. Donc quand nous prenons en compte toute cette diversité de masculinité, on ne doit pas se focaliser sur un seul aspect et laisser l'autre. Sans quoi, nous aurons des hommes co-responsables, mais qui ne sont pas engagés politiquement. Donc on a besoin de toutes ces variantes-là, en fait, pour lutter contre les violences. Effectivement, on a besoin de toutes ces variantes pour lutter contre les violences basées sur le genre. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que l'homme soit présent à tous ces niveaux de masculinité positive. Okay. L'effort qui est en train d'être fait à travers la co-responsabilité et les autres éléments de masculinité concourt progressivement à changer la mentalité en n'imposant pas à l'homme que par ce que nos traditions sont définies comme étant homme, il faut être fort, il faut être compétitif, il faut marquer son territoire par la violence. Nous devons déconstruire ces normes traditionnelles pour avancer progressivement à une autre mentalité, à une autre vision, à une autre perception de l'homme qui est dans son milieu et qui peut participer à tout ce qui peut concourir à changer les mentalités. Je voudrais exhorter l'État béninois à ratifier enfin la 790, la Convention 190. Oui, ça porte sur les violences faites aux femmes et le harcèlement sexuel en milieu du travail. Oui. Les hommes que les femmes. Oui. Je souhaite que les partenaires nous soutiennent vraiment pour que on puisse régler ce problème d'inégalité. Et madame la présidente l'a dit, on a les meilleurs tests au Bénin. Et quand j'ai vérifié en tant que fonctionnaire aux affaires étrangères, j'ai vérifié les conventions qu'on doit ratifier pour avancer dans ce domaine. Et c'est dans le cadre d'un travail de coaching où on nous a demandé de présenter un thème sur comment lutter contre les stéréotypes de la participation de la femme. Donc, quand j'ai questionné les tests, j'ai vu qu'on a ratifié beaucoup de tests. On a presque tout ratifié. Et je vais vérifier le 190 dont madame a parlé tout à l'heure. On a presque tout ratifié. Et madame la présidente a dit le problème, c'est la mise en application. Donc, c'est là qu'il faut attaquer. Et c'est pour ça que je dis aux partenaires de nous aider. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes, en tout cas pour ce qui concerne l'ANAS Bénin, une association composée de plusieurs membres qui sont partout dans le Bénin, avec un maillage territorial assez dense,
Nous intervenons un peu partout dans le développement, dans les interventions familiales, communautaires, sur les précarités. Vraiment, nous avons une diversité d'approches et d'expertises. Et donc, nous sommes très ouverts à de la formation continue sur ces sujets-là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs. Donc, je parle au nom des associations professionnelles. Nous sommes très, très ouverts à vous accompagner. Mais en échange, venez vers nous, venez nous former. Et nous pourrons faire le travail. Et je voudrais aussi demander ce qui manque souvent au Bénin, parce qu'on le voit ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de financement de la recherche sur ces sujets-là. C'est-à-dire qu'il faut de la recherche, il faut des chiffres pour appuyer ce qu'on dit. Sinon, ça reste des approches émotionnelles et basées sur vraiment ce que, des vécus et des anecdotes. Donc, il faut financer la recherche sur le sujet. Il faut de l'éducation des filles. Il faut aussi accompagner, et c'est heureux d'avoir un chef traditionnel. Nous avons énormément de mécanismes traditionnels qui renforcent la femme et qui mettent la femme en avant. Vous savez, par exemple, de façon anecdotique, lors de la dot, les familles disent « Nous ne voulons pas que notre fille soit violentée ». C'est des occasions pour passer des messages. Dans les sociétés secrètes, il y a toujours des femmes qui sont à la base de ces sociétés-là. C'est des occasions pour renforcer le leadership féminin. Et nous sommes dans une société des Amazones. Et donc, il y a énormément de choses à faire de façon traditionnelle pour accompagner tout ça et pouvoir promouvoir ce que vous appelez la masculinité positive, mais l'adapter à nos réalités. Et à titre personnel, je me bats depuis des années pour promouvoir la femme, être au plus proche des femmes, mais je n'aime pas le thème, et je le dis à titre personnel, de la masculinité positive, parce que ça signifie qu'il y a une féminité négative et une masculinité toxique. Donc je pense sincèrement qu'on peut faire les choses... On peut faire les choses sans utiliser les thématiques qui nous viennent d'ailleurs, même si ce sont les bailleurs qui nous permettent de le faire. Essayons de tropicaliser, de faire les choses comme nous sommes, et ça va passer plus. Je vous remercie. Tout à l'heure, Da disait que les hommes violents sont ceux-là qui ne parviennent pas à prendre leurs responsabilités. C'est vrai. Mais il y a des cas également où nous voyons des hommes qui sont très instruits, qui sont des cadres, qui sont parfois même des autorités, mais qui sont violents avec leurs femmes. Mais ces hommes-là, comment est-ce qu'il faut s'y prendre? Puisqu'ils savent très bien que ce qu'ils font est puni par la loi. Ils savent tout, mais ils le font, malheureusement. Que faut-il faire? Comment s'y prendre avec ces genres d'hommes-là? C'est une question que vous adressez. C'est une question que j'adresse au panel. Voilà. Et particulièrement à Da, je voudrais lui demander le concept de la masculinité positive. Il a dit tout à l'heure que dans le couvent qu'ils enseignent les femmes, qu'ils parlent avec les femmes et tout pour les amener à être dociles, il a dit dociles. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il s'engage aujourd'hui à parler aux hommes, à commencer par parler aux hommes de la masculinité positive dans son milieu ? Pour amener également les hommes à être dociles. Merci. 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 J'ai suivi la vice-présidente de la République qui tentait de montrer un peu dans le pouvoir politique traditionnel, notamment le royaume de Niki, comment le leadership politique était incarné par la reine-mère et qui n'est pas la sœur du roi, qui n'est pas sa maman, qui n'est pas son épouse, qui a sa dernière part, et qui incarne vraiment un pouvoir politique à côté des hommes. Et donc, elle tente d'expliquer ou de retenir ce modèle-là pour faire un peu de la sensibilisation. Et donc, moi, je crois qu'il faut produire de la connaissance. Ça, c'est la première chose. Pour ne pas sensibiliser, pour sensibiliser. Parce que quand vous sensibilisez, les gens n'ont pas des modèles, ne voient pas,
ce que vous dites, ça risque de devenir quelque chose de très élitiste. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est la question des VBG dans le champ politique. C'est très subtil, parce que le champ lui-même, il est complexe, disons qu'il est fermé. Et donc, parce qu'on est dans une matière, enfin, dans un domaine assez subtil, on a des VBG qui ne sont pas visibles, disons, à l'œil nu. Donc, les adresser va être quand même quelque chose, il faut de l'ingénierie. Et c'est pour cela que je suis très, très content de voir l'association des psychologues ici, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on détecte aisément. Et les partis politiques sont là et savent à peu près comment ce que je dis. Donc, les BBG dans le champ politique, c'est très subtil, que ce soit à l'intérieur des partis politiques, que ce soit en situation de compétition électorale. Donc, lorsque les campagnes électorales démarrent, même dans les positionnements, même dans... Il y a plein de choses qui font que finalement, ce n'est pas des BBG ordinaires. Je crois qu'il y a Iri qui a financé une petite recherche là-dessus, qui sort des choses assez évocatrices, qui parfois sont banales, mais qui sont, à plusieurs égards, des formes de violence sur lesquelles il faut travailler petitement. Voilà les trois choses que je voudrais dire à titre de contribution. Je vous remercie. Merci, Aziz. C'est nous qui vous... Nous avons piloté un projet, et ce projet-là, nous l'appelons les champions pour l'égalité du genre. Et ce sont des hommes qui sont identifiés dans les communautés les plus difficilement accessibles du Bénin. Et je peux vous assurer, avant de mettre en place en fait ce projet, nous avons collecté des données et ensuite nous sommes à la phase finale et nous sommes repartis en fait collecter les données pour comparer en fait ces données-là. Et je peux vous assurer en fait que c'est possible. C'est très possible en fait que l'homme puisse réellement épauler en fait sa femme, que ce soit en politique, que ce soit sur le volet professionnel ou dans tous les volets de la vie. Je me rappelle, on a fait une formation avec ces hommes où on a invité les leaders communautaires, les personnes ressources. Et lors de cette formation, nous avons eu toutes les questions possibles. Et il s'avère que en fait, souvent, les hommes ne sont pas informés en fait, de tout ce qui se passe. Quand on dit, je vais accompagner ma femme, je ne vais pas aider ma femme. Parce que nous, quand on dit un couple, nous sommes deux. Et nous avons la responsabilité, en fait, d'accompagner, en fait, l'un ou l'une au sein du foyer. Donc, parfois, les hommes n'ont pas, en fait, cette information-là. Et c'est bien de leur donner ces informations. C'est bien aussi de les accompagner psychologiquement. Parce que quand on identifie un homme qui se dit « Ok, je vais accompagner les femmes au sein des communautés, surtout les plus difficilement accessibles », c'est là où vous allez identifier en fait que cet homme-là devient une victime parmi tant d'autres au sein de ces mêmes communautés. Donc merci. En fait, c'était juste un apport. C'est vrai que c'est une nouvelle approche qui est censée diminuer les obstacles à la mise en œuvre de l'égalité de genre. Mais je suis très inquiète quant à sa réelle mise en œuvre parce que, vous savez, c'est une chose de soutenir la femme en tant qu'homme sans rien attendre en retour et c'est une autre d'exiger qu'elle remplisse certains critères avant d'avoir le soutien de l'homme. Et c'est là où ça devient très pernicieux. Un masculin positif, comment est-ce qu'il s'identifie? Est-ce que c'est simplement parce que devant, il dit « oui, je soutiens ma femme, il est là, il est présent, mais qu'est-ce qu'il exige en retour ?» Et donc, il ne faudrait pas qu'on retombe en fait dans un piège beaucoup plus serré où la femme serait mise dans un cercle où elle donne des choses, elle remplit des conditions obligatoire afin d'avoir la participation d'un homme qui en fait n'est pas positif, qui continue d'être toxique, mais qui apparaît comme étant positif. Je crois que nous devons faire très très attention. Merci. Merci beaucoup, madame. Au niveau de certaines communes du Bénin, il y a, avec l'appui de l'UNFPA et du PAEC, nous avons installé, il y a des comités, les hommes s'engagent au niveau des communes qui luttent contre les violences basées sur le genre
ils font des séances de sensibilisation et ils dénoncent les cas de violence basée sur le genre. Donc les comités, les hommes s'engagent. Merci. Je voulais juste aborder deux points. Le premier est relatif à la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision et le second à la masculinité positive. Pour ce qui concerne le premier point, je voudrais vraiment remercier le programme PAEJ pour l'effort qui est en train d'être fait dans le renforcement des capacités des jeunes femmes en leadership politique parce que il arrive souvent à des échéances électorales où on a besoin de confectionner des listes où on est parfois amené à positionner à défaut. Je dis bien à défaut, c'est-à-dire qu'on n'a pas la qualité. On n'a pas la qualité. Et je pense que cet effort qui est en train d'être fait doit pouvoir se poursuivre et se renforcer. Je suis un peu peiné qu'on fasse focus sur les hommes. Bon, c'est les hommes qui doivent faire des efforts. La salle ici est remplie de femmes, de splendides, de resplendissantes femmes, de femmes au perché, bien placées. Peut-être qu'au sein de ces femmes-là, il n'y en a pas qui constituent des bourreaux pour les hommes, aussi bien dans le milieu familial que professionnel. Mais il y en a qui sont des bourreaux, de véritables femmes. Il y en a qui peuvent témoigner ici. Et donc moi, pour des hommes, je le reprécise. C'est en cela que je dis, mais moi j'ai de la peine qu'on fasse focus sur les hommes. Il faut qu'on crève cet abcès-là. Je dis bien, dans le milieu familial que professionnel, c'est-à-dire elle a un poste de responsabilité et elle en use pour terroriser, pour martyriser les collaborateurs hommes qui sont sur elle. Il faut vraiment que ça commence également par changer à ce niveau-là. Sinon, ça va faire un déséquilibre. On va faire focus sur la femme et nous allons passer à côté. Donc, il va falloir également qu'on commence par coupler masculinité positive et féminité positive. Je ne sais pas si féminité existe. En tout cas, il faudrait qu'on fasse un couplage pour qu'il y ait l'équilibre. Je vous remercie. Et c'est très, très important de mettre un contenu. Et il faut vite faire ça, parce que si on ne fait pas vite, il y aura des fonds qui vont s'évaporer et il n'y aura pas de résultat. Et après, vous formez des gens qui vont former d'autres personnes alors que nous les avons mal formés. Donc ça là, c'est extrêmement important. Donc par rapport à ce qui se passe en politique, je crois qu'on doit continuer à approfondir. Et ce que je souhaite, qu'il n'y ait pas une violence... C'est-à-dire que les hommes ne sentent pas qu'ils sont violentés. C'est très important dans les approches. Oui, parce que dans la salle, et quand vous faites, il faut faire de façon à faire adopter un certain nombre de choses par des indécis. Il y a des hommes, des fois, qui ne comprennent pas certaines choses, pas parce qu'ils sont bêtes. Donc, on va doucement et de façon qu'on puisse avancer. Il y a un thème qui est sorti ici qui est très important, la tropicalisation de ce qu'on nous amène. C'est très, très important. Et vous savez qu'en Afrique, tout avait déjà été conçu par les royaumes, au niveau du Mali, à notre niveau aussi. Vous savez que ce sont les femmes qui dirigent les royaumes au Bénin. Ah non, je vous donne une information. C'est-à-dire que dans les royaumes, ce sont les femmes qui dirigent. Donc, comment nous allons faire pour qu'on puisse l'un dans l'autre nous comprendre? Donc, il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Nous, ici... On peut manger 3 fois par jour, je crois. Et que Dieu fasse que ça ne diminue pas. Amen. Maintenant, ceux pour qui on parle là, le grand nombre là, qu'est-ce que les gens mangent? Si dans le royaume de Dala, si on doit regarder là maintenant, si les gens viennent poser des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas à manger. Donc, comment nous allons faire aussi pour qu'au niveau des partenaires, que ça ne soit pas nous dans les hôtels, nous ici, déjà, on mange bien déjà. Donc, comment nous allons faire aussi pour si c'est au niveau des cultures vivrières, qui c'est quelque chose que nous devons faire, toujours dans le programme, hein, parce que c'est un vaste programme de 12 ans, je crois. Et c'est la première phase. C'est la première phase. Je souhaite qu'une partie de l'argent là puisse atteindre les femmes qui sont au village, là, et ne serait-ce que des semences, ou bien, comment on appelle, le levage, tout ça là, en sensibilisant. Ça me paraît extrêmement important. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Pour aujourd'hui et prochainement, on va continuer. Merci. Je suis Dorcas Carmel Kodia, présidente du réseau des femmes d'impact.
Mon intervention va aborder la question de l'éducation et de la masculinité positive. Aujourd'hui, les questions de VBG, les femmes subissent, beaucoup de femmes subissent, beaucoup de femmes ont décidé également de ne pas subir. C'est une question d'option. Et au niveau du réseau des femmes d'impact, on a anticipé en pensant aux générations à venir dans 10 ans, 20 ans. Ainsi, nous avons initié le projet Campus à cœur ouvert qui nous a amené à aller sur 10 campus universitaires depuis la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin. Et je vous avoue que nous avons rencontré plus de 2300 jeunes dans les universités. Et ce qui nous a touchés, c'est que habituellement, quand nous faisons nos actions de sensibilisation par rapport aux questions de leadership de soi, de développement personnel, c'est les jeunes filles que nous rencontrons, c'est avec elles que nous faisons les conférences. Mais à cette étape, les universités nous ont dit non, prenez les garçons et les filles. L'expérience a été riche, très riche, parce que nous avons remarqué que les garçons avaient envie de s'exprimer. Les garçons avaient beaucoup de questions à poser. Et quand ils intervenaient, ils disaient, papa n'a pas le temps. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. En tant que parents, notre responsabilité est engagée. Les enfants veulent nous parler, mais on n'est pas disponible. Comment nous allons faire aujourd'hui pour faire voter une loi qui va exiger aux futurs mariés de se faire former sur les fondamentaux du mariage et les leviers de réussite de la masculinité positive? Cet intéressant panel, et je voudrais aussi dire merci aux organisateurs de ce panel. Je pense qu'il était grand temps que la masculinité positive soit utilisée, on va dire, comme une stratégie de sensibilisation, comme une stratégie de prévention et aussi de lutte contre les violences faites aux femmes. Et comme le rôle de l'éducation est pour moi primordial, si l'on voit à quel point la violence à l'égard de la femme et de la fille commence dans l'enfance, on se dit alors que si on ne commence pas très tôt, il sera difficile de construire justement une génération d'hommes et de femmes, qui sont d'accord pour dire non à la violence à l'égard de la femme. Et il y a une grande responsabilité qui pèse sur les parents, mais particulièrement sur les mamans. Parce que, qu'on le veuille ou non, jusqu'à la date d'aujourd'hui, nous continuons, nous les mamans, d'être celles qui passent le plus de temps avec nos enfants. Et c'est extrêmement important de faire attention aux signaux que nous envoyons à nos enfants dès qu'ils sont déjà tout petits. Je donne des exemples très simples. Hein. Nous recevons des neveux, des nièces pendant les congés, pendant les vacances. Comment on répartit les tâches? Est-ce qu'on fait attention à ça? Nous avons parfois des mamans de filles qui se plaignent, des mamans de filles élèves qui se plaignent et disent un tel enfant du sexe masculin, un petit garçon a insulté ma fille, il a fait ci, il a fait ça. Comment la maman de ce petit garçon réagit? Est-ce qu'elle parle à son enfant pour lui parler de rapport égalitaire, de la nécessité pour lui de respecter la petite fille qui est à côté de lui? Ou bien elle se dit, mon enfant est déjà en train de montrer très tôt qu'il est un vrai garçon. Donc je pense qu'il est extrêmement important que dans la cellule familiale, en commençant par nous-mêmes qui sommes des combattantes, nous prenions garde aux signaux que nous continuons d'envoyer à nos enfants. Surtout, moi j'ai que des garçons, j'ai pas de filles. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont que des garçons aussi. Notre tâche est extrêmement, extrêmement lourde. Merci. Ensuite, il est important aussi de donner des témoignages. Ce témoignage que ce monsieur a donné, ça devrait devenir pour nous un outil de sensibilisation. Il faut que des hommes non violents parlent à des personnes, à tout le monde en fait. Il faut qu'on cesse d'avoir des plateaux de télé où quand nous parlons de VBG, il n'y a que des femmes. Parce que sinon, nos papas vont continuer, même nos mamans vont continuer
d'éduquer leurs filles à devenir de bonnes épouses et de demander aux garçons d'avoir un bon boulot pour pouvoir, comme je l'ai entendu à la télé il y a quelques jours par un jeune homme qui a dit qu'il faut tailler sa femme à sa mesure, comme si la femme était un arbre qu'on allait tailler et sculpter. Voilà. Merci. Pour nous, la masculinité positive, c'est faire en sorte que ce que les hommes font de bien soit connu, soit valorisé et que ça contamine d'autres hommes dans l'environnement. C'est un peu ça, cette logique que nous avons décidé de suivre. Et pour nous, ce matin, vous êtes des porte-voix. Porte-voix dans vos différents secteurs, dans les lieux de travail, dans les communautés que les OSC travaillent à relever, dans les associations professionnelles, comme l'Association des assistants sociaux, des psychologues, parmi nos jeunes femmes de la cohorte, qui sont 500 sur le plan national, alors que l'IGD également a une cohorte, nous voulons contaminer tout le monde par cette approche de collaboration entre les femmes et les hommes et arriver à ce que nos sociétés soient transformées positivement pour réduire les inégalités et pour que les hommes et les femmes soient heureuses et heureux de vivre ensemble. Je ne vais pas finir sans donner la parole à celle qui a commencé à l'ouvrir. C'est important en Afrique. C'est comme si vous avez été porte-chance, porte-bonheur à cette activité. Vous pouvez lire sur le visage des gens comment ils sont satisfaits. Je vais retourner la parole à la chef de population suisse pour qu'elle nous dise son mot de fin. Pour bon nombre de partages, et on voit aussi les inquiétudes qui sont exprimées par-ci, les réponses qui sont données par là, donc ça montre qu'il y a encore tout un travail à faire et que c'est peut-être la première d'un grand cycle qu'on pourrait imaginer, périodique. Parce que je pense que ce qui est important, c'est de marteler, j'ai envie de dire vraiment, mais marteler le plaidoyer, les informations pour ça, ça a été aussi mentionné à plusieurs reprises, la nécessité de disposer de données fiables, de statistiques qui permettent vraiment d'étayer, de conforter un discours. Ce matin, je parlais de la Suisse, hein, en préambule, je suis suissesse. Il faut savoir qu'en Suisse, qui est quand même dans le top 3 des classements en termes de pays indices de développement humain, on compte une femme tuée par son conjoint ou son ex-conjoint chaque 3 semaines. En Suisse. Ce serait intéressant de connaître quels sont ici les ratios, les statistiques dans un pays comme le vôtre, dans d'autres pays. Mais on sait que c'est dramatique et le fait de disposer de ces statistiques aujourd'hui qu'on n'a longtemps pas eues, le mot féminicide est même récent, il faut savoir. On parle d'homicide. Voilà. Et maintenant on parle de féminicide, c'est très spécifique, c'est assez nouveau comme concept et ça permet de mettre en évidence à quel point cette problématique reste présente, elle est présente, et ça permet aussi de frapper les esprits. On entend ça, enfin, moi j'ai entendu quand même dans la salle des gens qui disent oh, oui, mais c'est une réalité, c'est la réalité de mon pays, et c'est important de connaître les réalités de chacun de nos pays. Et puis la question des concepts venus d'ailleurs, je comprends, hein, je pense que c'est quelque chose qu'on entend très souvent, c'est apporté de l'Occident, ça ne correspond pas à nos préférences, à nos sociétés, mais en même temps, j'aimerais reprendre les mots de Mme Macho qui dit que voilà, il y a quand même une universalité des droits humains. Et ça, où qu'on soit, quelle que soit la culture, quel que soit le pays et quelle que soit la réalité sociale. Après, c'est à chaque pays, à chaque société, de trouver ses modèles, femmes et hommes, de trouver ses championnes et ses champions auxquels chaque béninoise, chaque béninois peut s'identifier. Et c'est à ça qu'on doit tous et toutes. Donc soyez toutes ici les champions et les championnes pour voilà, cette cause qui est essentielle pour le développement d'un pays et qui est essentielle pour le bien-être d'une société. Débat très enrichissant et instructif, les panélistes et les invités ont donné leurs différents avis et perspectives
sur le sujet. On peut donc croire que le leadership politique féminin et la masculinité positive sont deux axes qui peuvent contribuer d'une manière conséquente à la réduction, voire à l'éradication des violences basées sur le genre. L'espoir est permis qu'une nouvelle génération de femmes leaders naîtra sous l'impact du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1. Leaders News. Instinct 229.